Le Portugal assume pleinement son passé colonial en Guinée-Bissau. Le pays prend en compte même les aspects négatifs de cette page de l'histoire bissau-guinéenne. Déclaration mardi de Marcelo Rebelo de Sousa à Bissau. Le président portugais est arrivé en Guinée-Bissau lundi soir. Une première visite pour un chef d'État de l'ex-puissance colonisatrice depuis 31 ans. Marcelo Rebelo de Sousa s'est entretenu avec le président bissau-guinéen Oumaro Sissoko Embalo. Il a visité mardi un cimetière où sont enterrés une centaine de soldats portugais morts pendant la guerre d'indépendance. Sa visite a permis aux descendants de bissau-guinéens ayant servi dans l'armée coloniale portugaise de réclamer la pension de sang. Une question restée lettre morte depuis 1974.